déjà fait ça. Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao! Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler une nouvelle fois de Sully Prono. Alors pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pronostiqueur que je suis depuis des mois et qui me fait gagner de l'argent, et pas mal d'ailleurs, tous les jours. Alors en plus de ça, si vous êtes connaisseur, vous savez qu'en ce moment c'est la Ligue des Champions et que c'est le moment de se lancer parce qu'il y a pas mal d'oseille à se faire. Grâce à lui, vous pourrez arrondir vos fins de mois, vous faire un petit peu d'argent de poche. Et si vous avez n'importe quelle question, si vous voulez lui parler, si vous voulez lui poser des questions en ce qui concerne les pronostics, vous pouvez le rajouter sur Snapchat, il s'affiche juste en haut. Donc n'hésitez pas, surtout pas, le lien est aussi dans la description. Et vous verrez par vous-même que c'est pas des conneries. La seule condition à ça, c'est d'être majeur. Bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. Ciao. Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo car on est mercredi et qu'il est 18h ou qu'il est jeudi ou vendredi pour ceux qui sont pas à l'heure, bande d'enfoirés. Bref, aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer? Il y a une dame qui nous a contacté, qui habite dans une résidence et un bâtiment, et qui nous a dit qu'il y avait un voisin à elle qui utilisait un drone pour l'espionner quand elle prend la douche ou quand elle est dans sa chambre ou chez elle et qui prend des photos d'elle et des vidéos et qu'après, bon, elle sait pas. Bien entendu, cette dame ne sait pas qui fait ça. Elle sait que c'est un voisin ou elle sait que c'est quelqu'un du secteur, mais elle sait pas qui c'est parce qu'à chaque fois qu'elle voit le drone, hop, il s'en va et elle a aucun moyen de savoir où il va. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Kamoff va intervenir et qu'on va faire en sorte de voir le drone et de le suivre pour voir où il va et d'intercepter le mec qui utilise le drone. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Restez jusqu'à la fin parce que ça risque d'être un truc de fou. Et on se retrouve tout à l'heure pour la petite conclusion. Ou pas. Ciao. Donc là les amis, on est à l'endroit, c'est-à-dire dans la résidence. Enfin on est en dehors de la résidence. Et apparemment la fille qui nous a contacté habiterait dans le bâtiment de droite, dans la fenêtre de droite. Et en fait le mec il utiliserait, ben, là apparemment c'est la fenêtre de la salle de bain, il utiliserait le drone pour se mettre là et regarder chez elle. Donc là pour l'instant il n'y a rien, on va attendre un peu. Dès qu'on entend un bruit de drone, on se remet à filmer et on filme ça. Alors les gars, je sais pas si vous entendez, là on entend un bruit de drone. Voilà, là j'ai entendu un bruit de drone, donc on se... Oh putain, mais il est là. Ok, je vois le drone. Ok, ok, qu'est-ce qu'il fait? Ok, là. Donc vous voyez le drone? Il est ici. On le voit, il est vraiment au bord de la caméra. Donc là, on voit bien le drone carrément au bord de la fenêtre. On va le suivre et on va voir jusqu'où il va. Parce que là, c'est pas normal. Vous voyez là, le drone, il est carrément devant la fenêtre, quoi. C'est pas normal. Où il va? Où il va? Faut le suivre. Faut le suivre, frérot. Vas-y, viens, on le suit. Bon, les gars, là, le drone, on le suit en voiture. Ah, ok. C'est bon, je le vois, je le vois, je le vois. Bon, les gars, là, on a pris la voiture pour le suivre. Il est allé vers là-bas. Là, je le vois plus, hein, frérot. Je le vois plus du tout, là. Je sais pas du tout où il est avec les maisons et tout, je vois plus rien, il a dû peut-être se poser. Il est où? Je le confonds avec les oiseaux, ouais ouais, mais bon, nous on peut pas, on vole pas frère. Attends, on va pas réussir à l'avoir. Ouais, je vais aller à gauche direct. Frère, je vois rien. Ouais mais regarde, tu filmes, tu vois quelque chose à la cam? Tu vois quelque chose ou pas? C'est ça là-bas. Moi je vois rien là. Je vais aller frérot. Vas-y, suis-le, 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 suis-le. Enfin, je dis suis-le, mais c'est... Tu l'as la cam, tu le vois bien? Ok, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Frérot, on y va vite, allez. Vite, vite, vite. On peut pas y aller en voiture, là où il est encore là, le drone, viens. Le mec, il doit être en dessous, frère. Il y a du vent, en plus, c'est un malade, le mec. C'est lui, ben regarde, il est là, le mec, il est là. Qu'est-ce qu'on fait?
Ça va, on ne dérange pas? Vous êtes qui, vous? On ne dérange pas? Vous êtes qui? Tu t'amuses à filmer chez moi avec ton drone de merde? Qu'est-ce que vous racontez? Tu t'amuses à filmer chez moi avec ton drone de merde? Qu'est-ce que vous racontez? Je filme que tout là, je suis là. T'amuses à filmer chez moi avec ton drone de merde? Ah, je m'amuse pas à filmer chez vous, je suis là, je suis autour là, de la prairie, je filme tout et n'importe quoi là. Bah écoute, ton drone, il est chez moi, on fait combien? Il explose maintenant? On fait quoi là? Bah, j'ai pas dû voir, j'ai pas dû faire exprès. T'as pas fait exprès? Non. Ça fait des semaines que ça dure, tu me prends pour un con? Et nous aussi on te filme, mais voilà. Toi tu filmes les autres? Comment aussi on te filme? Et pourquoi toi tu filmes? J'ai filmé pas. Non, mais pourquoi toi tu filmes? Mais je filme pour faire des plans drone. Ah, devant les fenêtres des gens. Mais non, mais c'est parce qu'il tombe à ce moment-là, j'apprends à le contrôler. Tu sais que tu n'as même pas le droit de le faire voler là, le drone? Tu le sais? Mais vous avez le droit de me filmer, vous? Oui, nous on a le droit. Non, vous avez pas le droit. Ah, on a complètement le drone. Non, non. Ah, si. Mais non, mais je porte plainte. Si. Mais tu portes plainte contre quoi? Je sais pas, vous venez me voir là, je vous connais même pas, vous dites que je filme des gens là, je filme personne. Tu filmes personne? Non. Fais voir ta. Vas-y, fais voir ton drone. Prends la caméra dedans, on va dire ce qu'il y a dans la caméra, vas-y. On va voir si t'as pas filmé les gens. Vas-y, envoie la caméra. Envoie la caméra. Tu t'exploses le drone. Mais de quoi tu m'exploses le drone? Vous savez combien ça coûte ça? Je m'en bats les couilles. Tu montre-moi la carte. Montre-moi, vous montrez là. Montre-moi les images. Montre-moi les images. Je vais rien vous montrer là. Non. Allez. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez. Lâche-moi. Lâche-moi. Ouais, c'est où la carte? Ok, allez hop. Allez. Putain mon pote, c'est quoi cette merde? Et vous allez en faire quoi de ça? Ben ça, on va le prendre, on va regarder les images qu'il y a dessus, tiens. On va regarder les images qu'il y a dessus, hein? Et s'il y a des images compromettantes, on va porter plainte, d'accord? Toi, tu me dis la vérité maintenant. Soit ton drone, je le prends, je l'éclate par terre. Tu as deux solutions. Alors on fait quoi? Alors, est-ce que tu filmes chez les gens ou non? Ça m'arrive. Tu filmes chez qui? Là devant chez moi. Ta voisine, tu la filmes ou pas? T'as une voisine dans le bâtiment? Oui, ma voisine elle est tarbin bonne. Je filme ma voisine parce que elle se balade toute nue devant la fenêtre. Et moi j'ai un drone, j'en ai profité. Mais voilà. T'es sérieux? Oui, je vous dis vous me demandez la vérité, mais s'il vous plaît, me cassez pas le drone. Mais est-ce que c'est normal de faire ça? Je le ferai plus, mais s'il vous plaît, me cassez. Est-ce que c'est pas normal de faire ça? Non, mais c'est pas normal, c'est balader toute nue devant les fenêtres comme ça. Mais elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Mais on le voit. J'ai utilisé ça pour voir plus. Tu me prends pour une con? Pourquoi non? Tu es détraqué. Tu es fou, tu es bizarre. Non. Mais si. Non. Je sais, on fait pas ça, on rentre pas chez les gens comme ça. Mais je suis pas allé chez elle, je suis devant. Mais tu rentres dans son intimité. Oh, arrêtez les gars. Oh, entre toi et le mec qui prend des photos sous les jupes des femmes, c'est bon, vous m'avez gonflé. Oh, vous êtes des pervers, c'est quoi en 2021? C'est le confinement qui vous a rendu fou, quoi. Je te dis que c'est pas normal de faire ça. Fantaine, tu sais piloter les drones, toi? Ouais. Allez, ça va, y'a pas de problème. Bon, on a trouvé un arrangement avec notre ami. On a dit qu'on lui pèterait pas le drone, mais par contre, on lui a pris son téléphone. Et on l'a accroché au drone. Le but c'est qu'il attrape comme à la fête foraine, vous savez. Il va falloir que tu cours après le drone, hein. Ou peut-être même que tu voles parce qu'il va aller haut. Ok. Alors c'est Fantin qui est aux manettes. C'est le caméraman qui est aux manettes. Et notre ami Kevin qui nous a rejoint et qui... Oh, allô, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Allez, attention. 3, 2, 1. Décollage. Là, pour l'instant, tu vas pas, attention. De toute façon, je t'explique. Si tu tires trop sur ça, c'est ton drone qui se pète. Donc fais attention. Ouais, mais je fais comment, moi? Eh ben... Allez. Ah, Fante. Fante, il y a le rocher là-bas. Il y a le rocher. Vas-y, tape contre le rocher. Allez, attrape-le, allez. Non. Allez. Oh putain, le rocher! Oh, le rocher! Oh, on a raté le rocher! Allez, hop! Allez, vas-y, va le prendre! Allez, allez! Hop là! Allez, vas-y, chope-le! C'est pas une voiture, moi! Hein. Aïe! Vas-y! Oh! Tu le tapes là, hein. Oula. Oh,
Attention. Ouais. Allez, allez. Wow, t'as eu bien ta chance là. Allez, c'est bon, arrêtez. Oh hey. Allez, c'est bon, là. Je peux arrêter. Arrêtez de me filmer, ouais. Vas-y, 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 bon. Oh putain. Tu le vois, là, tu le vois? Oh oui, tu le vois pas? Ah frère, il est où le téléphone? Il est où mon téléphone? Il n'y a plus le téléphone! Il est où mon téléphone? Il n'y a plus le téléphone! Il est où mon téléphone? Il est... Ah, je sais pas où est ton téléphone, me rend pas fou. Je sais pas où il est. Mais gars, vous êtes sérieux là, c'est dégradation là, vous vous abusez! Il n'y a plus le téléphone, frère! Pose-lui son drone, pose-lui de, son drone de merde. Voilà, allez! Allez, pose-lui. Voilà, tiens ton drone de merde. Non, mais attendez! Rends-lui sa manette, tiens, allez, hop. Voilà. Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu recommences à filmer ta voisine ou je sais pas quoi, ton drone, je le prends, je te le fous dans le. Le plus profond possible. Mais mon téléphone. Mais je m'en bats les couilles de ton téléphone. Vous l'avez caché, vous avez fait quoi? Ah, je sais pas, frère, il est parti. Qu'est-ce qu'il en a fait de son téléphone? Rien, frère, il est parti loin, le drone, il est revenu, il n'y a plus le téléphone. Qu'est-ce que je te dis? On dirait que c'est mon problème, on dirait que c'est ma faute. C'est moi, il était attaché. Il était attaché le téléphone. Il est parti là-bas. Il y avait le téléphone, il est revenu. On n'a plus le téléphone. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a filmé? Mais j'en sais rien. Mais je suis comme ça, je vais le chercher. Ah, je sais pas, je sais pas. Tu vois la colline là? Tu vois cette colline? Voilà, ton téléphone, il est là-dedans. Il est parti là-bas. Voilà, il est parti vers là. Tu vois? Il est parti vers là. Voilà, bon, là-bas. Nous, on te laisse parce qu'on est fatigué. Hein, n'oublie pas ton sac. Ok. Voilà. Tu taperas Kamoff sur YouTube, tu verras nos vidéos. Tu te verras dessus. J'espère que la géolocalisation, il l'a émise. Ciao. C'est bon, vas-y, allez, on se casse.